Pamela Anderson, sexuellement agressée, elle obtient la mort de sa babysité. Pas de poupée vaudou ni d'incantation et pourtant. Pamela Anderson a-t-elle des super-pouvoirs? L'ancienne star d'Alerte à Malibu a fait une confidence étonnante lors d'une interview pour l'émission Light Story, présentée par Piers Morgan. L'actrice de 50 ans a relaté avoir eu, étant enfant, une babysité qui lui a laissé des souvenirs douloureux. J'ai eu une babysité qui m'a sexuellement agressée pendant presque un an, entre mes 4 et mes 8 ans, par là. Je me souviens avoir souhaité sa mort et, le lendemain, alors qu'elle se rendait à sa cérémonie de remise de diplôme, elle s'est tuée dans un accident de voiture. Je me suis alors dit, ok, donc je l'ai tuée. J'ai des pouvoirs magiques. Je ne peux pas le dire à mes parents et je l'ai tuée. Alors j'ai commencé par croire que j'avais un don spécial pour tuer les gens, a-t-elle confié. L'ex-star de Playboy, qui a aussi été violée à tout juste 12 ans par un homme de 25 ans, a mis des années à raconter à ses parents cette histoire avec la babysité. J'avais peur de leur dire ce qu'il s'était passé, et j'avais aussi peur de leur dire que je l'avais tuée, s'est-elle souvenue. Elle leur dira finalement des années après. Pamela Anderson, qui est en couple avec le footballeur français Adil Rami, est la maman de Brandon et Dylan, 21 et 20 ans, née de son histoire passée avec Tommy Lee.